Bonjour à tous. La commune de Gourbert connaîtra-t-elle le vent du changement d'ici quelques semaines? Quel candidat peut incarner le renouveau? Est-ce Claude Edmond, le leader de Gourbert Horizon 2020 et l'invité de Questions sans détour? Bonjour Claude Edmond. Bonjour Monsieur Van Deré. Après votre candidature d'il y a 6 ans, vous revoilà devant les électeurs de Gourbert. Vous êtes du genre teigneux? Oui, on peut le dire comme ça, tenace plutôt. Et on travaille depuis 2014 sur le terrain, on travaille de profondeur. On a installé des conditions de travail pour une bonne campagne pour 2020. On a instruit des modèles d'information par un bulletin d'information annuel à la population de Gourbert. Mm-hmm. On a tissé des liens, des réunions de quartier, des contacts répétés, presque une relation intimiste avec la population, mm-hmm, pour mieux se faire connaître et montrer qu'il y a une voie alternative à Gourbert. Vous avez surtout tiré les enseignements de 2014. Oui, parce qu'on était une jeune équipe, pas forcément, tout le monde n'avait pas de l'expérience d'une campagne électorale. Mais on a appris, et comme dirait si bien Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. On a beaucoup appris, et là, on n'a qu'une certaine expérience, mais surtout, on a instauré un dialogue permanent avec la population de Gourbert. Durant la mandature écoulée, vous avez été quel type d'opposant au sein du conseil municipal? Ma nature, c'est une opposition forcément constructive, donc certaines idées ont été reprises. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire porter, faire des propositions au maire, au conseil municipal, qui a été, pas toujours, mais des propositions qui ont été reprises dans les textes par forme de délibération. On a poussé quelquefois des textes à aller plus loin, plus ambitieux dans le sujet concerné. Voilà, donc l'intérêt pour nous, on ne fait pas carrière. C'est une liste citoyenne. Et j'ai été toujours un passionné de la politique très tôt. Je pouvais faire carrière depuis très tôt. Je suis là parce que je pense qu'aujourd'hui, avec le recul du temps, certaines années passées à l'extérieur, on voit que notre commune n'a pas seulement stagné, mais régressé. Mmh. Et un certain nombre de personnes de ma génération et plus ou plus jeunes ont voulu porter l'alternance après 30 ans de règne. Voilà, donc il n'y a pas de plan de carrière ou je ne sais, d'échouquer X ou Y, mais cette volonté de faire progresser la cité qu'est Gourbert. 30 ans de règne, c'est trop? Non, je ne dirais pas ça si on travaillait. Je le dis à mes amis, mais je peux le dire sur le plateau, si j'étais au moule, peut-être je ne serais pas candidat. Donc ce n'est pas une question de longévité au pouvoir, mais c'est, ou d'âge, c'est secondaire. Mais c'est surtout, on cherche un bilan et on ne trouve pas de bilan. Voilà, donc je crois que je vous dis, je ne suis pas candidat pour être candidat, une ambition en me rasant d'être maire de Gourbert. J'ai toujours pensé être conseiller du prince. Donc c'est les circonstances qui ont fait que je suis candidat en 2014. Mais je vous le répète, cette volonté de porter Gourbert en avant par des projets. Et c'est dans ce sens qu'on a réussi à réunir toute l'opposition et un certain nombre de personnes. Oui, justement, vous avez une équipe là, c'est ce que vous mettez en avant. Oui, on a une équipe de leaders qui étaient candidats en 2014. On a la conseillère départementale Nicole Herdin, mais et d'autres personnes. Mais l'objectif était de réunir des compétences. Donc vous avez des personnes dans le domaine associatif, le secteur privé et public, qui ont une compétence au sein de la communauté d'agglomération, des communes, le département, la région, l'État, l'Union européenne. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire être, porter des compétences aujourd'hui, parce qu'on est moins dans l'idéologie, mais plus dans la gestion, peut-être malheureusement, mais aussi d'être opérationnel dès le 16 mars. Au nombre de vos arguments, votre expérience de gestion, votre connaissance des dossiers, vous savez qu'en politique, hélas, ça ne suffit pas toujours. Je suis tellement conscient de ça qu'on travaille le terrain depuis 2014 et je vous dis, on a installé, à titre même personnel, une relation intime, voire intimiste avec la population, c'est faire remonter leur doléance. Donc, on connaît la problématique de Gourbert, j'ai presque envie de dire la petite misère des gens. Donc, nous ne sommes pas forcément des gens de bureau, on connaît la réalité du terrain et un projet pour Gourbert et la communauté d'agglomération ne peut partir qu'à partir de la réalité. Donc c'est cela. Donc on n'est pas dans une démarche hors sol désincarnée, mais nous partons de la réalité de Gourbert et la communauté sud
Grand Caraïbe pour faire un projet de territoire et tout en associant la population et avec une gouvernance un peu plus moderne et plus participative. Oui. L'équipe sortante, dites-vous, a appliqué une politique approximative, opportuniste. L'opportunisme peut avoir du bon, non ? Oui, à condition qu'on puisse saisir la bonne opportunité. Et très souvent, c'est une politique basée d'un clan, basée... Et ça peut se comprendre. À partir du moment où vous restez très longtemps au pouvoir, vous créez un certain nombre, une clientélise qu'il faut satisfaire, des obligés, des courtisans, et qui n'ont pas une vision... qui ont une vision personnelle et non pas d'intérêt général. Et c'est humain. C'est d'où cette nécessité de faire l'alternance. Et peut-être même par une loi de limiter le nombre de mandats dans le temps. Mais il faut quelquefois protéger l'homme politique contre lui-même. Mmh. Donc quand vous restez trop longtemps, vous avez forcément des dérives et vos intérêts passent avant l'intérêt général. Oui. Ça devient une propriété privée. Donc ça a l'allure d'une propriété privée aujourd'hui. On s'accroche au pouvoir pour ne pas pour cacher son bilan. Donc l'équipe demain qui arrivera, j'espère que c'est nous, on fera le compte. Mmh. Je rappelle quand même quelque chose. C'est la seule commune de Guadeloupe, depuis la prise de fonction du maire, qui n'a jamais eu de contrôle de la Chambre régionale des comptes. Voilà. Comment on peut expliquer cela ? Donc d'autres communes se portent aussi bien... mieux financièrement qu'à vous eu êtes le sûr contrôle. De ce que vous dites, oui, hein, je peux même vous dire, j'ai. On ira vérifier. Hein. Oui, je peux même vous dire, je ne marche pas avec ma valise de documents. J'ai adressé en ce sens deux courriers au président de la Chambre régionale des comptes, 2014 et 2018, en ce sens. Donc, on ne peut pas parler de bonne gestion, tout au moins en apparence, et on verra demain ce qu'il en reste. Mm-hmm. Lors de votre déclaration de candidature, vous avez martelé que Gourbert a besoin d'être rassemblé, gouverné et piloté. Facile à dire, ça. C'est le bon sens. C'est-à-dire, la réalité nous montre encore, c'est une gestion clanique. Ça revient souvent, ça. Hein. Non, mais c'est très visible, c'est ostentatoire. Donc, je ne le dis pas parce que pour faire des facilités langagières, mais c'est une réalité qu'on constate. Et même la population, ça remonte encore très souvent dans nos sorties sur les terres de Gourbert. Mais je vous dis, tout s'explique par la longévité. Il faut conserver le pouvoir et il faut tisser des liens avec sa clientèle électorale et ça donne cela. Donc Lucas Desmars s'accroche. Oui, visiblement. Quand vous êtes là depuis 95 et 6 ans avant premier adjoint et vous n'avez pas de bilan, je ne sais pas, qu'est-ce que vous espérez ? Ce que vous n'avez pas fait en début de mandat, vous avez l'énergie, vous pensez, c'est après 30 ans que vous allez le réaliser. Humainement, c'est très difficile. Vous n'avez plus l'énergie. Quel projet de développement pour la commune ? Valcaner, c'est une vraie opportunité ou on n'en parle plus ? C'est une opportunité qu'on a mal saisie, qui a dérapé par des entreprises qu'on attendait plus. Et c'est les remontées de terrain que j'ai des chefs d'entreprise de Gourbert. On leur avait promis des installations pour s'implanter sur le territoire. Et très souvent, c'est de grandes enseignes qui se sont installées et qui ne respectent pas forcément l'environnement. Et c'est cette remontée aussi que j'ai des habitants de Grande Savane. Donc il faut peut-être repenser ce territoire avec un développement plus humain qui prend en compte notamment les résidents, parce qu'il y a eu quelques résidences qui ont été construites. Donc ça doit être, on doit prendre forcément en compte les conditions de vie des habitants de Grande Savane. Oui, donc vous ne serez pas le maire, si vous êtes élu, qui va relancer le dossier du centre commercial, du projet de centre commercial. Très sincèrement. C'est pas votre ligne ? Non, très sincèrement, j'ai fait mon deuil. Et c'est un dossier aujourd'hui, même hors du territoire de Guadeloupe, en France, comme on dit généralement la métropole, c'est des sujets qui sont abandonnés pour des centres commerciaux, tout au moins des activités commerciales à taille humaine. Donc je pense que quand vous êtes dans une ville de 8000 habitants, il faut raisonner communautaire. Je pense plutôt à un développement de Gourbert, de la bouteille d'eau de Valcanard jusqu'à la descente de Dumez, avec des activités qui se rapprochent de nos réalités locales, avec des commerçants surtout diversifiés. Aujourd'hui, on n'a qu'une boutique dans le bourg de Gourbert,
comme d'ici bien nos amis, après 19h, si vous tombez, à part pour une qui ramasser, il n'y a plus personne. Ouais, mais comment vous relancez ça? Après, c'est très simple. C'est une baguette magique. C'est ça l'intérêt et dans notre équipe. Nous sommes, on n'a pas un discours hors sol. Vous avez des gens qui sont déjà dans la réalité. On a un budget aujourd'hui très contraint. Donc, il faut aller vers le secteur privé, à part des appels à projets. Mmh. Et il y en a. Je reçois des jeunes qui ont des projets qui n'ont pas toujours l'oreille du maire. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un maire ambassadeur qui ouvre des portes d'entre gens et qui permet à ces jeunes, aux acteurs économiques, de se développer. Il faut vendre ce territoire. Il faudrait que Goubert ait ce label. Et aussi, pour être pragmatique, créer un service dédié au développement économique, tourner vers les chefs d'entreprise et aussi les orienter quant à la recherche des fonds et aussi le montant des dossiers, l'assistance juridique et fiscale. Donc, il faut être très pragmatique et je crois que mon expérience aussi dans le secteur privé hors du territoire me permet d'être plus sensible aux revendications des chefs d'entreprise. Mmh. Et comme c'est à la mode, vous n'êtes ni de droite ni de gauche, pas de clivage? Non, vous êtes dans la proximité. J'ai toujours rêvé d'avoir 20 ans... Vous pouvez être et de droite et de gauche. Oui, oui. Non, c'est fantaisiste tout ça. Mais j'ai une colonne vertébrale idéologique. J'ai toujours rêvé d'avoir 20 ans dans les années 60. Tellement j'aime le débat d'idées. Mais je suis dans la réalité. Je constate aujourd'hui, un maire, c'est plus la gestion que de l'idéologie. Donc nous sommes dans la proximité. Nous prenons en compte cette réalité et c'est plus une gouvernance de gestion. Mmh. Donc, vous n'allez pas faire à Goubert une deuxième Cuba. Donc, vous n'allez pas imposer de l'idéologie communiste, socialiste, de droite. Non, c'est la réalité aujourd'hui, c'est la gestion. Et le voyez au niveau de l'État qui est président de la République. Donc, c'est ça, cette réalité. Donc, on est aujourd'hui pour gouverner Goubert. Mmh. Et Macron, c'est l'exemple? Pas forcément. L'exemple dans l'audace. Dans l'audace, mais je ne pense pas qu'idéologiquement je suis très proche de Macron. Voilà. Mais je vous dis, quand ceux qui travaillent avec nous, je dis que la seule limite, c'est le Front National. Voilà. Mais après, est-ce que vous faites la différence entre un homme de gauche ou de droite? Si vous parlez de la question institutionnelle, quelquefois la droite est plus progressiste que la gauche, malheureusement. Donc, nous sommes des pragmatiques et je ne demande pas forcément l'ADN des gens, sachant qu'on a des valeurs humaines à respecter. Mmh. Et vous parliez sur des dissidences au sein de la majorité sortante? Oui, j'ai presque envie de dire que c'est la cuisine interne du maire. L'objectif, c'est la relation qu'on a instaurée avec la population de Goubert, porter nos projets. Et si j'étais taquin, je dirais que le maire les a mal nourris. Donc, ça leur fera plaisir. Voilà, donc c'est cela. Donc, il y a eu des dissidences en 2014, il y a eu encore aujourd'hui deux. Ça montre bien que ceux qui suivent le maire sont... ils n'ont pas le choix. Et que si ces deux dissidents font bande à part, ça montre bien que le maire n'a pas réussi son projet, ou tout au moins n'a pas pu trouver un consensus sur le projet qu'il veut porter à Goubert. Merci Claude Edmond d'être venu jusqu'à nous dans les studios de TV. C'est moi qui vous remercie et je salue la population de Goubert. Merci à vous d'être fidèle à Questions sans détour. On se retrouve dès demain sur ETV, votre chaîne locale.